Patrick, tu m'entends? Quentin! Hein? C'est pour les commissaires. De quoi c'est les commissaires?
Bonjour à tous, bienvenue effectivement sur l'hippodrome de Mons. Quatre courses nous attendent, deux sur 1500 mètres, les deux premières, et puis deux sur 2100 mètres. Les concurrents sont au rond de présentation. Vous évoquiez les chances de l'orage au pique-nique. Fabien Lefebvre m'en a parlé il y a quelques instants. Il me disait que l'orage au pique-nique, eh bien, ça allait beaucoup mieux pour son départ, parce que c'est vrai que c'est une jument qui souvent perdait le plus clair de ses chances au niveau des stalles de départ en s'élançant très lentement. Ça va mieux, elle sait finir ses courses, et aujourd'hui on y compte très clairement avec l'orage au pique-nique, le numéro 1. Proposé à 5,30€. Le rond de présentation, les chevaux nous attendent avec ici le numéro 4, Sapiens, que vous découvrez. Sapiens qui sera associé à Christophe de Hens. Ces trois dernières sorties à Mons, très clairement, sont assez moyennes. Il fait partie logiquement des outsiders de l'épreuve. 24€, il semble barré. Trois fois sur 1500 mètres, trois fois nettement battu, notamment dernièrement par Agreguette et Randon Rosa. Il ne terminait que 7e. Le 7, ici Gaillade, et là Gaillade c'est une des bonnes chances de la course, associée à Anna van den Troost. Gaillade dont toutes les dernières sorties sont bonnes. Deuxième le 5 mars dernier, battu par What a Dude, tout en battant Gazan ou Flexible Proche qu'on retrouve. Troisième auparavant en battant Esta City et Some Nights. Et encore auparavant une victoire pour Gaillade, c'était le 11 janvier, donc sur sa piste de prédilection. À suivre. Voici Some Nights, le numéro 10, un cheval qui sera très vite aux avant-postes. Désormais, c'est un peu plus compliqué pour Some Nights, mais on ne peut pas totalement l'écarter parce que c'est vrai qu'on le voit très souvent devant. Lors de ses dernières courses, eh bien, il avait été nettement battu au mois de janvier et février, mais la dernière fois, le 20 février dernier, il n'était pas loin. Il a longtemps animé la course et il a craqué dans les 100 derniers mètres. Terminant quatrième derrière Sant'Angelo, Randon Rosa et My Première Conti. Donc attention à ce Some Nights, toujours capable de surprendre, proposé à 18€. En tout cas, si vous l'avez sur vos tickets, vous allez très vite vous retrouver devant. Voici Agreguette, le numéro 3. Il vient de s'imposer, Agreguette. C'est un beau cheval, entraîné par André Hermans. Je lui ai dit, est-ce qu'il va regagner? Il m'a dit, je vais aller lui le voir dans son box pour lui demander. Mais on y compte pour Agreguette. On va le retrouver, c'est notre course référence. C'était donc le 5 mars, le prix Kangal dans ce handicap. Il a pris 1,5 kg pour cette victoire. Agreguette qui va devancer Aréon et surtout Randon Rosa. Randon Rosa qui est le favori de cette épreuve, la Kazakh Violette qui termine troisième. Quant à Agreguette, il a été devant et méchant. Il a animé la course prenant plusieurs longueurs d'avance et il va vivre sur son avance jusqu'au bout. Kuhn Clemens m'a dit que c'était une nouvelle fois une très bonne chance. Donc on y compte pour Agreguette. Je suis un peu surpris de le retrouver à 6,70€. Pour ma part, je pense qu'il est tout à fait capable de doubler la mise dans cette course. Alors on suit ici le numéro 6. Vous le voyez à l'image, Brilliant Blue, un cheval qui est à réclamer 6,000€. Une particularité, c'est un handicap à réclamer. Certains chevaux sont à vendre dans ce handicap. Et on se met en selle avec ce cheval qui vient de courir à deux reprises à Dortmund. Pas ridicule. Associé à Sepp Balkan avec une décharge de 2 kg pour ce Brilliant Blue. Cote de méfiance, 10€. Entraînement de Romy Mullen. Ancien entraîneur de Romy Mullen, pardon. Puisque maintenant c'est Angelo Florin. C'est Kiani Geertz. Angelo Florin, c'est pour Esta City le 5. On passe au 9. Gazan. Associé à Alice Berthiaud, Gazan qui là aussi fait partie des gros outsiders de l'épreuve, très très nettement battu à plusieurs reprises. Ça va être un peu compliqué ce Gazan. 10e sur 1500 mètres, sur 2100. Il n'a pas la cadence de cette piste montoise pour l'instant, très très nettement battu. Donc c'est pas surprenant de le retrouver à plus de 60-1. Esta City, en revanche, est joué le 5. Et là aussi, c'est logique. C'est la montre de Stéphane Breu. C'était le numéro 8, un petit peu en dehors tout de même. Esta City qui tourne un peu autour du pot sur 1500 mètres. Troisième, notamment au mois de janvier. Derrière Sant'Angelo et My Première Conti, des chevaux réguliers sur ce type de course. Donc Esta City peut tout à fait surprendre également. Voilà, Agreguette au canter. Avec Kuhn Clemens. Il sera à suivre durant cette réunion. Kuhn, il a plusieurs bonnes chances dans cette réunion.
Et Agrégate en fait partie, bien sûr. Voilà, on rentre en piste avec les autres concurrents. Vous avez la Kazakh violette de The Dutch Master, là à gauche. La Kazakh de The Dutch Master pour Randon Rosa, qui est le favori de l'épreuve. Voilà, autour du numéro 5, Estacity au canter, qui fait quelques petites difficultés. Le 4, Sapiens, avec Christophe Dehens. 17 euros, c'est justifié hein, pour Sapiens qui avant-coup peut terminer 3-4e au mieux au papier, même si c'est un cheval qu'on a vu bien faire hein, sur la PSF dans le sud-est de la France, à Marseille, Vivo notamment, sur ce type de distance. Mais pour l'instant, à Mons, il n'a pas réussi à s'adapter au rythme des courses belges. Brillant Blue un peu tendu au niveau de l'entrée de piste. Est-ce qu'on peut aller voir Randon Rosa, le favori qu'on n'a pas encore prochaine vu course, le numéro 3. Départ, voilà, il est dans 6 minutes. Ici, c'est l'as, l'orage au pique-nique qui va rentrer dans quelques instants. Alors, je vous rappelle, hein, c'est beaucoup mieux au niveau de son départ et surtout, il finit souvent très bien ses courses. Je disais à Fabien Lefebvre, il est face au vieux, il me dit ça posera aucun problème. Notamment, il avait couru l'Open de Mons, et il y avait 2-4 ans dans l'Open de Mons et ça a été le premier des 4 ans. Il est très très bien couru hein, dans l'Open de Mons, terminant 4e. Depuis, il a pris 2 deuxièmes places. Ce l'orage au pique-nique, j'ai l'impression qu'il est vraiment sur une pente ascendante. Donc méfiez-vous-en. Concurrent qui devrait ici jouer un très très bon rôle, 5,60. On a mis pied à terre avec Koen Clemens et Agrégate. Ouais, ça doit jouer dans le haut du tableau. Hein. D'ailleurs, est-ce que les favoris de la presse sont dans le haut du tableau? On va les découvrir dans quelques instants. Ce tableau de la presse en Belgique avec le 3 Agrégate devant le 2 Randon Rosa, le 7 Gaïad. On est d'accord là au niveau du betting. Puis le 10, Some Nights, qui peut toujours surprendre. Hélas, l'orage au pique-nique. Donc 3, 2, 7, 10 et As pour ses favoris de la presse. Alors que nous sommes ici avec Some Nights, justement, qui reçoit 10 kilos de l'orage au pique-nique. Hein, Some Nights, 54 kilos. Un cheval qui est pris en valeur 15, c'est sa valeur, hein, petite valeur, Some Nights, mais... assez régulier à Mons, qui fait toujours ce qu'il peut. Voilà, et Agrégate, qui fait un peu de difficulté, vous le voyez, avec son jockey. Koen Clemens, qui est de toutes les réunions à Mons, et que l'on voit également de temps en temps en France, dans le nord de la France, ou encore en Allemagne. D'ailleurs, les deux dernières victoires, la dernière victoire de Koen, c'est avec cette Kazakh-là, puisqu'il avait gagné avec Monsieur Mel le 5 mars dernier. Agrégate qui avait gagné hein, le 5 mars, mais ce n'était pas avec Koen. Il était associé à Martin Sedel. Pourquoi? Simplement parce que Koen ne peut pas monter à 55 kilos. Et ce jour-là, Agrégate ne portait que 55 kilos. Aujourd'hui, il en porte 63. Je rappelle qu'il a pris 1,5 kg pour sa victoire sur l'échelle du handicap en valeur. 3,70 hein, pour Randon Rosa. C'est cette Kazakh violette avec le disque jaune, toujours très en réussite sur l'hippodrome de Mons. Randon Rosa qui tourne autour du pot. Hein. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Départ. Randon Rosa qui avait gagné au mois de décembre. On a pris un peu de poids pour cette victoire, mais ça n'a pas empêché derrière de prendre 3 accessites. Deuxième, troisième, sur cette distance de 1500, on peut considérer que ce Randon Rosa est une nouvelle fois une base, au moins pour les combinaisons. Sa place est dans les trois. Une bonne recrue qui nous vient d'Angleterre en début de carrière, puis on a couru beaucoup en Allemagne, avant de trouver la bonne cadence à Mons. Un Mons 6 sorties, jamais plus loin que 4e. Alors, on a un peu de temps. Hein. On est à 2 minutes 30 du départ, mais on prend un peu de retard avec ce Agrégate là qui fait des difficultés. C'était pourtant pas le cas la dernière fois. Il avait été au canter très tranquille. Il a l'air un petit peu nerveux aujourd'hui, Agrégate.
Alors, sa dernière victoire, Martin Sennel avait été devant. Il avait pris plusieurs longueurs d'avance à un moment dans le parcours. Et puis, on a vu la fin de course, là, en course référence. Vous avez vu qu'il avait résisté au retour de ses adversaires. C'est un cheval qui a une grande action sur Greguet. Et espérons pour son entourage eh bien, qu'il obtienne le même résultat que précédemment. Alors, on a évoqué la plupart des concurrents. On n'a pas encore parlé de Flexible Approach, le numéro 8. Notez que Concerto Sant'Angelo portera une livre de plus. Enfin, le cheval portera une livre de plus. On ne pouvait pas monter à 54, donc ce sera 54,5. Bon, Flexible Approach, c'est un peu à l'image d'un gazan. C'est un extrême outsider. Très, très souvent battu à Mons. Il a rien montré hein, pour l'instant à Mons. Donc, il est très, très difficile de le retenir en bonne place dans un ticket. Maintenant, ils ne sont que 10. Donc, pourquoi pas une quatrième place qui serait une énorme surprise pour un mini-multi rémunérateur. Alors, les concurrents qui vont commencer à rentrer dans les stalles, ils sont déjà 3 hein, dans les stalles le long de la corde. Là, ce 2, le 3, les grands favoris avec le numéro 7, Gaillad. Le plus régulier, Randon Rosa, aucun doute. L'orage au pique-nique cherche sa course, l'As, avec Fabien Lefebvre. Agreguet vient de gagner et peut doubler la mise. Quant à Gaillad, eh bien Gaillad associé à la Vandentroust. Cheval également, qui reste sur plusieurs très bonnes sorties à Mons. Donc on reprend les mêmes et on recommence avec ces quatre-là. Après, côté surprise, on peut avoir Resta City le 5, on peut avoir Some Nights le 10. Et pourquoi pas Brilliant Blue, le 6 qui est très joué. Hein, Brilliant Blue proposé à 13 euros. Un peu la discordance au niveau des cotes. Brilliant Blue qui fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa dernière sortie à Dortmund au mois de janvier. Et je vous rappelle qu'on a changé d'entraîneur et de casaque hein, pour Brilliant Blue. C'était un ancien pensionnaire de la casaque The Dutch Master, c'est-à-dire la casaque de Randon Rosa. Donc on va voir si son nouvelle couleur et avec son nouvel entourage, Brilliant Blue arrive à se révéler. En tout cas, on y compte puisqu'il y a 13 euros. Allez, pratiquement tous dans les stalles. Attention au départ. C'est notre premier rendez-vous. 1500 mètres. Et les voilà partis. Avec Some Nights, bien sûr, au centre de la piste. La casaque noire qui va s'installer aux commandes. On reste également parmi les chevaux de tête avec Brilliant Blue, le numéro 6. Tout à l'extérieur, on a le 7, Gaillad, avec le numéro 2, Randon Rosa, encore plus en dehors. Mal embarqué, hein, pour l'instant, Randon Rosa, le favori en quatrième épaisseur. Le nez au vent. En revanche, l'orage au pique-nique eh bien, est parti encore assez moyennement, c'est l'As. Pourtant, ça s'améliorait. Mais là, aujourd'hui, il a complètement loupé son départ. Il se retrouve en dernière position, légèrement décollé. On va aborder la ligne d'en face. Agreguet est venu prendre la tête comme la dernière fois. Il a décidé d'animer la course et il prend deux longueurs d'avance sur le numéro 6, Brilliant Blue. En troisième position, on retrouve le 10, Some Nights, avec également le numéro 4 en dehors, Sapiens. Alors qu'on tente de se rapprocher également tout en dehors avec Gaillad, le numéro 7, qui emmène le favori Randon Rosa, la casaque disque jaune, là, qui essaie de revenir. Et puis on a recollé avec l'orage au pique-nique. Le tournant final, Agreguet qui compte toujours. 4-5 longueurs d'avance maintenant. Il creuse l'écart Agreguet. Comme la dernière fois, il a vécu sur son avance. Il va peut-être doubler la mise Agreguet. Agreguet très nettement en tête dans le tournant. Lancé à sa poursuite. On retrouve Sapiens, le 4. C'est cette casaque bleue avec les manches rouges. L'effort également numéro 2, Randon Rosa qui vient tout en dehors. L'ultime ligne droite, Agreguet sollicité énergiquement par son jockey Koen Clemens. Agreguet qui a toujours l'avantage, mais on fond sur lui avec Sapiens, avec Randon Rosa, le numéro 2 qui vient de plus en plus fort. Randon Rosa qui vient créer la décision à la distance. Randon Rosa, le numéro 2 qui se débarrasse de l'opposition. L'orage au pique-nique finit très fort, le numéro 1, le 2 qui va s'imposer, l'As sera deuxième, la troisième place pour le 4 Sapiens et la quatrième place pour le 3 Agreguet.
Le haut du tableau a bien répondu présent, comme c'était attendu. Et Randon Rosa, qui était vraiment l'une des bases et qui était le favori, s'impose de fort belle manière après un parcours un peu en épaisseur en début de course. Quel retour de l'Orage au Pique-Nique, hein, qui avait perdu une bonne dizaine de longueurs aujourd'hui et qui termine deuxième. La troisième place pour le 4, Sapiens. Et la quatrième place pour l'animateur Agreguette. Le 3, une course sans trop de surprises, si ce n'est Sapiens, le numéro 4, qui va terminer troisième à Grosse-Côte. Mais les trois favoris sont là. Déception de Gaillade, tout de même. Gaillade, le numéro 7. La Kazakh losangée blanche et bleue qui ne peut pas venir en dehors, hein, qui coince quelque peu. On revoit cette ligne droite avec Randon Rosa qui s'impose. C'était le favori. On démarre avec les favoris pour cette première course à Mons. 2, As, 4 et 3.
Effectivement, la deuxième course, les chevaux sautent en ronde de présentation. 1500 mètres, une nouvelle fois, pour ce handicap, avec un favori, un chaud favori d'ailleurs, 1,60 €. Kulkor, que reprocher à Kulkor? Pas grand-chose, hein, puisque il reste sur 3 deuxième places. Il a gagné également le 21 décembre le petit Open de Mons, un cheval que l'on connaît par cœur ici sur cette piste. Il porte le numéro 1. Bon, c'est une base incontournable. Hein. On a vu un favori gagner dans la première. On peut tout à fait avoir un deuxième favori gagner cette deuxième course. Qui plus est, avec le même jockey hein, qui a gagné la première course. Donc, c'est peut-être sa journée à Tore Amer Hansen. Alors, What a Dude, le 6 ici, on va le retrouver en course référence. C'était le 5 mars dernier. What a Dude va s'imposer. On va voir s'il est capable de doubler la mise aujourd'hui, associé à Sean Byrne. What a Dude qui va devancer Gaillade, qu'on a vu un peu décevant dans la précédente. Sant'Angelo, My Premier Country et Heroic Holly. Un lot qui était bien touffu, jour-là, mais il gagne assez facilement. Hein. 2,5 longueurs, regardez, se détache. Et il laisse dans le lointain quand même la plupart de ses adversaires. Alors le lot est quand même un peu plus relevé cette fois pour What a Dude. Il y a Kulkor, il y a Osoot, il y a quelques bons chevaux hein, au départ de cette course. Donc c'est pas fait. Voici le 2 Jojo. Alors Jojo, cheval d'herbe, hein, comme me le disait Fabien Lefebvre au vestiaire tout à l'heure. C'est plutôt un cheval qu'on va retrouver cet été à Ostende. L'été dernier, il avait gagné 2 fois à Ostende d'ailleurs. Sur la PSF, c'est vraiment pas son truc, même s'il a pris une 3e place ici au mois de mars, il y a juste un an, dans un lot un peu plus faible. Un cheval qu'on va surtout retenir pour l'été. 20 € pour Jojo. Elle est associée donc à Fabien Lefebvre, je vous l'ai dit. Elle partira de la stalle numéro 1 et elle fait sa rentrée aujourd'hui pour être complet à son sujet. Vous avez le 4 là, hein, qu'on voit avec le bonnet rouge, Osoot. Osoot également fait son retour à la compétition. Pas couru depuis le mois de décembre. Deuxième dans l'Open de Mons. Kuhn ne savait pas trop quoi en penser. Il me disait c'est une rentrée. Si le cheval est prêt, je pense qu'il a une bonne chance au papier. Maintenant, il ne pouvait pas me dire exactement où est-ce qu'il en était à l'entraînement. Là aussi, c'est un driver que j'ai un jockey que j'ai questionné au vestiaire. Donc, elle peut tout à fait jouer un premier rôle sur sa valeur au papier. Mais bon, après 3 mois d'absence, difficile de se prononcer à son sujet. La voici au saut. Jument qui, en plus, partira en dehors. Installe numéro 9 pour elle. Alors qu'on s'est déjà mis en selle avec Christophe Dehaene au premier plan, avec Imperial Height. Qu'on va suivre. Ah non, il ne va pas rentrer tout de suite. On laisse rentrer d'autres concurrents. Voilà, numéro 6 ici. C'est What a Dude qu'on a vu gagner dans la course ref. Allez, on va regarder l'as au canter. Voilà, petit galop, gentiment, Kulkor. Bon, Kulkor un favori logique, hein, je le répète. Je vais dire un peu ce que j'ai dit dans la première avec Randon Rosa. C'est la base. Hein. S'il ne gagne pas aujourd'hui, Kulkor il sera dans les 3. Hein. Autour du 5, Prince Percival qui fera partie des outsiders de cette course. C'est un 7 ans. Stalle numéro 2 pour Prince Percival qui avait gagné à Mannheim au mois de septembre et qui... Bon, Mons n'a pas encore véritablement brillé. Sa dernière course est un peu en progrès quand même hein, pour Prince Percival. On l'a vu terminer 4e d'Aggregate. Aggregate qui termine 4e dans la précédente. Voilà, ça continue de galoper, de rentrer en piste au tour numéro 7, California Gold Rush. Qui fera partie des outsiders également. 14 € associé à Stéphane Breu. California Gold Rush qui est toujours en tête d'un premier succès. Difficile de se prononcer, pas de ligne pour California Grand Rush avec les courses à Mons. Une rentrée récemment à Chantilly, rentrée totalement anodine. Très très compliqué de retenir California Grand Rush. Cette jument qui néanmoins est proposée à 14 €, peut-être l'effet Stéphane Breu. On va voir si elle est capable de s'illustrer aujourd'hui.
Alors, autre canter ici avec Family Smile, qu'on a vu galoper de dos. Départ dans 6 minutes. Family Smile qui est associé à Kobe van der Beek, qui a gagné plusieurs courses à Mons, qui désormais porte un peu de poids, monte de catégorie. Et dernièrement, ce n'était pas convaincant, Family Smile, hein, seulement 6e. Mais auparavant, on avait gagné 2 courses en battant notamment What a Dude. Voici un Family Smile avec le bonnet rouge. Donc attention, Family Smile, 9,40 €. C'est une cote intéressante pour ce pensionnaire de Thierry de Vlaminck. Et à ses côtés, c'est Jojo. Mais Jojo, je vous l'ai dit, c'est plus un cheval d'herbe. Ce serait surprenant de le voir s'illustrer aujourd'hui. Nous sommes à 5 minutes du départ. Découvrons peut-être les favoris de la presse. Une nouvelle fois, le haut du tableau avec Kulkor, l'as. Logique favori dans cette épreuve. 2,20 €. Family Smile, le voici, en deuxième position. Ensuite, on retient la jument Osoot. What a Dude, le 6. Et le 5, Prince Percival pour une cote peut-être. Donc, As, 3, 4, 6 et 5. Dans cette épreuve qui a réuni 8 concurrents, puisque le 9, Woulacombe, est non partante. Alors, les concurrents qui vont se rendre derrière les stalles de départ. 1500 mètres, on l'a vu, hein, le parcours, on part dans la ligne droite des tribunes. Très important de se retrouver assez vite au contact des chevaux de tête. Alors, on a vu l'orage au pique-nique revenir de très loin, mais c'est un peu sa façon de courir. Hein. Souvent, on part mal et puis on finit très fort. Randon Rosa a vite été à la pointe du combat dans la précédente et s'est imposé. Aggregate était à la pointe du combat également, comme Sapiens. Donc, souvent, les arrivées à Mons se font devant. Hein. Les chevaux qui vont de l'avant, enfin, ou qui sont pas loin du moins, arrivent à s'illustrer. Et c'est souvent le long de la corde qu'on fait la différence. Tant à une droite, on a l'impression qu'il y a un tapis roulant le long de la corde. Ceux qui viennent en pleine piste ont souvent du mal à progresser. Allez, on se retrouve derrière les stalles désormais. 2,20 pour Kulkor. J'ai beau regarder, il n'y a pas grand-chose contre Kulkor aujourd'hui. Hein. Franchement, bon, c'est vrai qu'il porte 62,5, mais bon, à Mons... Pareil, on peut faire le comparatif avec Randon Rosa. À Mons, il a couru lors de ses 6 dernières sorties. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e. 2 victoires, 3 deuxième places et une 3e place. Alors, un petit changement par rapport à ses dernières sorties. Les deux dernières fois, il courait sur 2100. Dans 3 minutes. Mais auparavant, c'était sur 1500. Hein. Et sur 1500, il a gagné 2 courses, dont le petit Open de Mons. Allez, les concurrents qui sont désormais derrière les stalles de départ. Et on va les mettre dans ces stalles dans quelques instants. Beaucoup de jockeys français qui ont fait le déplacement une nouvelle fois. Ce sont souvent les mêmes. Hein. Stéphane Breu, Fabien Lefebvre, on a des jockeys allemands, on a des jockeys belges dans cette épreuve. Imperial High, 32 €. Il n'y a pas véritablement de changement de cote dans cette course. Beaucoup d'argent pour What a Dude, mais je vous rappelle qu'il monte de catégorie après sa récente victoire. Enfin, le lot me semble un peu mieux composé cette fois. On va voir si Schönbern arrive à confirmer. Il gagne pas mal de courses, hein, Schönbern, que ce soit en Allemagne ou à Mons. Ces derniers temps, la forme est là. Donc attention à ce jockey efficace. Qui va tenter de doubler la mise pour What a Dude. C'est déjà lui hein, qui montait What a Dude la dernière fois. Et il laissait Gaillard quand même assez loin. Voilà, ça rentre dans les stalles. Jojo, ici à droite de l'image, qui va rentrer. Voici le favori. Kulkor, avec un jockey qui peut déjà signer un coup de 2.
Entraînement de Romy Melen. Entraînement qui a gagné dans la précédente. Kazakh qui s'est illustré dans la précédente. Ce serait quasiment le même trio. The Dutch Master, même jockey. Allez, attention, on n'est plus très loin du départ. Les derniers concurrents rentrent dans les stalles. Alors le 5, Prince Percival, cheval allemand. Ça continue de rentrer avec la casaque rouge de Imperial Height parmi les outsiders de l'épreuve. C'est même le plus délaissé avant coup. Il y a beaucoup d'argent sur le 6, hein, What a Dude, qui passe de 8 à 4,80. Donc, une cote qui a été coupée en deux. Osoot qui rentre, la casaque jaune. Et Prince Percival, dans quelques instants, le départ de cette épreuve. Et les voilà partis, 1500 mètres, hein, avec un mauvais départ de Jojo qui reste dans sa stalle et qui perd 7-8 longueurs au départ. Osoot, le numéro 4 qui va s'installer en tête. En deuxième position, il y a l'as Kulkor, avec également le 6 qui force l'allure le long de la corde. What a Dude, qui vient un peu contrarier Osoot dans le premier tournant. Côté corde, il y a également le numéro 3, Family Smile. Un peu plus loin, Prince Percival. Kulkor, ça tire beaucoup là avec ce numéro 6, What a Dude. Kulkor étant à son extérieur. On va aborder la ligne d'en face avec le numéro 4, Osoot, qui a l'avantage. Kulkor, là, en deuxième position. On tire énormément avec What a Dude, la canaque orange, qui est troisième. Avec également Prince Percival qui vient quatrième. On se rapproche quelque peu avec la bleue de California Gold Rush qui vient cinquième. À l'arrière, on retrouve pour l'instant Family Smile avec la canaque rouge de Imperial Height, le numéro 8. On se dirige déjà vers le tournant final. Osoot, qui a l'avantage. Kazakh jaune, appuyé en dehors, il y a Kulkor. Une course sans concession. Troisième désormais, What a Dude. À l'extérieur, Prince Perfidial essaye de se rapprocher alors que California Gold Rush est également entre les deux. Family Smile venant ensuite avec toujours à l'arrière Jojo et Imperial Height. L'ultime à droite dans quelques instants avec Osoot qui semble contrôler l'attaque de Kulkor qui est déjà au bras depuis quelques temps. Kulkor qui essaye de venir à la hauteur de Osoot, mais Osoot réagit bien le long de la corde. Osoot qui est maintenant en poignée. C'est sa rentrée. Est-ce qu'il va manquer dans la phase finale? Kulkor qui vient inquiéter Osoot. Osoot, Kulkor. Osoot qui redémarre bien côté corde. Kulkor en pleine piste. Osoot, Kulkor, Kulkor qui refait mètre par mètre. Osoot, Kulkor, photographie, passage du but. La troisième place pour Family Smile, le numéro 3. Est-ce que Kulkor a réussi à venir mettre la tête au passage du poteau? Ce sera une question peut-être de balancier. Osoot a l'avantage depuis le départ. Le balancier pour Kulkor. Le balancier pour Kulkor, l'as devant le 4. Osoot, sans doute, AC4 à la photographie. La troisième place pour le numéro 3, Family Smile. Et la quatrième place, sans doute pour le 7, devant le 8 et le 2. As 4, 3, 7, 8 et 2. On revoit cette superbe lutte. Pourtant, Osoot semblait vraiment avoir la mesure de Kulkor, qui était empoigné depuis pas mal de temps, sollicité. Mais Kulkor au courage, il est plus près, hein, Kulkor, parce qu'il a couru à maintes reprises cet hiver, ce qui n'est pas le cas de Osoot qui faisait sa rentrée aujourd'hui. Et je pense, on va voir la photographie, oui, c'est bien le balancier. Le balancier parle pour le Kulkor. L'As va s'imposer devant le 4, la troisième place pour le 3 devant le 7. As 4, 3, 7 et 8, arrivé de cette deuxième course.
Effectivement, les concurrents rentrent en piste à l'instant même. Le 3 est non partant, c'est 307. On est ici avec le 6 Giorco qui fera partie des outsiders dans l'épreuve. Favori de la course, Little Sam, le numéro 4. Little Sam qui vient de bien faire sur l'hippodrome de Mons à plusieurs reprises. Et c'est une valeur sûre à ce niveau de la compétition. On change de distance, 2100 mètres cette fois. Le 14 Spanish Time ici, extrême outsider, 55 euros, qui rentre à son tour sur la piste en PSF. Et devant lui, eh bien, on avait Kuhn avec l'une des chances de l'épreuve, l'Over Mimi. Petite chance, hein, m'a-t-il dit avant coup. Jument qui était bonne à 3 ans, mais maintenant ça se dégrade un petit peu. L'Over Mimi qui est néanmoins proposé à 16 euros. Et ici le 9, Warning Atsi. Le numéro 9, Warning Atsi, qui fait également partie des chances de la course, 8,40 euros. Alors on va s'intéresser gentiment aux concurrents, alors qu'ils viennent de tous de quitter le rond. C'est dommage, on ne les a pas vus au rond, ils sont rentrés assez vite sur la piste. Le 2 ici, Manzano. Manzano, ben, Fabien Lefebvre me disait que c'était l'une des bonnes chances de la course. Il vient de terminer 5e, battu par Old Token Nodou, un adversaire qu'il retrouve aujourd'hui. Old Token Nodou, le voici, c'est là, c'est à gauche de l'image. Qui quitte le champ de la caméra, le voici avec Sarah Vermersch. Bon, c'est un vieux de la vieille, hein. Il a 13 ans désormais, Old Token Nodou, mais dans sa catégorie, une nouvelle fois capable de bien faire. Il cherche sa course. En tout cas, Sarah Vermersch avait bien monté la dernière fois, deuxième, et je pense qu'il faudra compter avec lui. Il est battu par Jacques Coeur qui n'est pas là aujourd'hui, il battait Manzano, il battait Lover Mimi. Concurrent à retenir, même s'il est dans la stèle numéro 11 au départ, ce qui n'est pas un gros, gros handicap sur cette distance. Alors, le 13 ici, on l'évoque, c'est Parovna. Bon, Parovna, pas de ligne hein, avec elle sur cette piste de Mons. Elle vient de courir à Chantilly de façon anodine. En France, les performances ne sont pas terribles hein, ces derniers temps. Cheval qui avait évolué sur l'obstacle également assez rapidement. Vraiment rien de bon à son actif. C'est pour ça qu'on la retrouve très délaissée dans cette course. Alors, le 9 ici, c'est Warning Atsi avec Christophe De Hens. Donc, stall numéro 1 pour elle. 10 euros, une cote séduisante pour une jument qui tourne autour. Hein. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Ce n'est pas une gagnante, ça c'est sûr. Ces derniers temps, la victoire la fuit. Maintenant, elle avait gagné à Ostende sur une piste en herbe il y a 2 ans. Elle avait fait un très très beau meeting ostendais en signant 3 victoires coup sur coup. Mais sur la PSF, sincèrement, ces derniers temps, elle n'est jamais bien loin. Donc attention à Warning Atsi qui pourrait bien un jour ou l'autre nous surprendre sur cette surface. Le 10 ici. Le 10, Anima Erat. Est-ce qu'on peut voir le 10? La casaque blanche, manche bleue et toque rouge. On va la retrouver, Anima Erat. La voici, la grise. Enfin, alors, première sortie à Mons pour elle. Associé à Stéphane Breu, stall numéro 10 avant coup. Sur la PSF en France, elle a quelques perfs, quelques accessites. Pourquoi pas? Jument qui est toujours médaine. On descend un peu de catégorie. C'est vrai qu'elle est en toute petite valeur, valeur 15 hein, au niveau des handicaps. Maintenant, c'est la première fois qu'elle va évoluer ici à Mons. Peut-être peut-elle se révéler. Alors, d'autres concurrents, on va évoquer Spanish Time alors que nous sommes à 6 minutes du départ. Hein. Spanish Time, c'est cette casaque à damier noir et blanc. Départ dans 6 minutes. Un socialiste d'Iteren, une cavalière amateur. Bon, Spanish Time qui mérite ses 50 contre 1. Hein. Ces derniers temps, il n'y est plus trop. Dernière bonne sortie, c'était l'hiver 2022-2023. Il était bon hein, à cette époque. Alignant les accessites. Maintenant, les dernières fois, il s'est très, très souvent montré battu assez tôt. Donc, difficile de le retenir en bon rang dans cette compétition. Voilà le 5 Lord of Time ici. Lord of Time avec Anna Vandentroust. Un cheval qui n'a pas beaucoup de bonnes performances à son actif actuellement. Et qui là aussi fait partie des outsiders de la course. 18 euros,
sa cote. Cote là aussi d'outsider pour un cheval qui portera 60 kilos. Les favoris de la presse, dans ce lot de la presse, il y avait 307 qui n'est pas là malheureusement. Il est non partant. Little Sam, favori de la presse, c'est votre favori également en France. Le 7, pardon, All Talk and No Do apparaît 7 fois devant Manzano le 2 et Warning at Sea le numéro 9 qui peut tout à fait prendre une place. On est un peu raccord entre les cotes en France et les favoris de la presse en Belgique. Vous le voyez, Little Sam, All Talk and No Do, Manzano et Warning at Sea. Alors les concurrents qui tournent derrière les stalles et qui vont bientôt rentrer dans ces stalles. On a fait un peu le tour des chevaux. On va évoquer les plus gros outsiders. Ni chaud ni froid, le numéro 7 qui sera associé à Morgan de Hens. Là aussi un concurrent qui a un peu de mal ces derniers temps. 2100, il est raccourci par rapport à ses dernières distances. Le voici à l'image, cette casaque rouge. Ni chaud ni froid. Avec une cavalière qui cherche toujours à ouvrir son palmarès. Elle a pris plusieurs accessites, c'est dans les temps. La victoire la fuit de très très peu. Et elle a une décharge de 2 kilos, Morgan de Hens. Elle a gagné quelques courses également hein, par le passé. Alors, d'autres chevaux. Le 4 ici, Little Sam, on ne l'a pas encore vu en gros plan. C'est le favori de l'épreuve, Little Sam, associé à Léon Wolf. Ces deux dernières sorties sont très très bonnes. C'est ce qui le place favori dans cette course. Il avait été battu par Gotha et Quiz Evolution. Et auparavant, il battait à peu près les mêmes. Warning at Sea, Over Mimi, Lord of Time, Spanish Time. Autant de concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Un beau Bébrun qui va tenter donc de s'imposer une nouvelle fois sur une piste qui lui convient à merveille. Il a gagné 3 courses assez récemment, ce Little Sam. Prochaine course, cette piste. Départ dans 3 minutes. Et donc, on le retient très haut, 3,80€ actuellement. Alors, de l'argent sur le 9, hein, Warning at Sea, la cote qui baisse, 6,30€. On est à 3 minutes du départ. Je vous rappelle qu'il y a un multi hein, dans cette course. 7,70€ pour Georco. Ça, c'est un peu l'anomalie. Regardez la prise sur Georco qui descend de 16 à 7€. Un cheval qui nous vient de France. Il faut dire que à Mons, il est venu à 2 reprises, une 3e place et une victoire. Il battait Manzano, notamment lors de sa victoire. Et donc, adepte de la piste pour ces 2 sorties, c'était très bien. Il tente une nouvelle fois le voyage, Georco. Associé à Stéphane François, proposé à 8,10€ donc actuellement. Manzano très joué, 11€. Et voici Vabellino Success, qui est le plus délaissé de la course, plus de 90 contre 1 actuellement. Et attention, les choses se précisent, on commence à les rentrer dans les stalles. On rappelle que cette fois, il s'élance sur la distance de 2100 mètres, que les stalles sont dans la ligne d'en face et que très vite apparaît le premier virage, le premier tournant. Et souvent, les chevaux viennent se placer devant les tribunes. Voilà, tout sourire, Léon Wolf avec Little Sam, le favori de la course. Alors, retour du 11. Heroic Colic, qu'on n'a pas encore évoqué. Pour l'instant, les favoris se sont bien comportés. Hein. Notez que son jockey, d'ailleurs, à Heroic Colic, a gagné 2 courses, les 2 premières. Il a gagné avec Kulkor, il a gagné avec Randon Rosa. Cette fois, ce ne sera pas aussi facile hein, avec Heroic Colic. Néanmoins, qui est assez joué également, hein. Lui aussi. Est un cheval qui n'arrive pas à gagner. Il est toujours Méden et Auricoli. Une jument qui tourne un peu autour du pot à Mons. 3e, 4e, 5e. Jamais très loin. Elle va tenter de s'imposer pour la première fois. Allez, ça continue de
de rentrer gentiment avec Manzano le 2, 9,50 euros. Le 7, ni chaud ni froid, qui ne devrait pas tarder non plus. Voilà Manzano qui rentre à son tour. Little Simple qui sera l'un des derniers à rentrer dans sa stalle. Hein. 3,60 €, une cote qui remonte sensiblement. Toujours beaucoup d'argent sur le 6. Hein. Giorco, notez-le. Cote coupée en deux, de 16 à 8. C'est la principale prise de l'avant-course. Un peu d'argent également sur Anima Erat. Sans doute la montre de Stéphane Breu, ses supporters. Et attention, le départ dans quelques instants. Il reste deux chevaux et ça va rentrer très vite. Allez, les voilà partis pour 2100 mètres avec tout de suite Little Sam, Léon Wolf qui le sollicite en pleine piste pour venir prendre la tête à l'extérieur. Il y a également All Token No Do, la casaque blanche qui va venir sur la ligne des leaders. Au centre, il y a également Ni Chaud Ni Froid, la casaque rouge. Et puis Giorco est également parti correctement alors qu'on vient prendre la tête néanmoins avec le numéro 8, Vabilino Success. Vabilino Success aux commandes dans le premier tournant avec au centre le 7 Ni Chaud Ni Froid, à l'extérieur il y a l'As All Token No Do. On retrouve dans leur sillage le numéro 4 Little Sam, la casaque noire avec l'étoile verte. On est bien placé également avec Spanish Time, l'autre casaque d'amis Manzano est également assez proche des chevaux de tête, alors que Giorco, la casaque cerclée vert et blanc, se maintient en 5-6e position. Il n'y a pas trop de rythme dans cette épreuve. Côté corde, on retrouve également Warning at Sea le 9 qui vient plutôt sur une 3e ligne. Parmi les derniers, il y a Anima Erat avec Parovna. Le tournant du chemin de fer, il reste 1000 mètres à effectuer sous la conduite numéro 8. Toujours Valino et Success qui a l'avantage. La Sol Token No Do vient en deuxième position avec Ni Chaud Ni Froid. Little Sam est quatrième pour l'instant avec Giorco qui se maintient le long de la corde. Avec également un peu plus loin Warning at Sea, le numéro 9. Avec Manzano qui vient 6-7e actuellement alors que le train est toujours assez régulier. Pas d'accélération pour l'instant. On tire quelque peu le long de la corde avec Warning at Sea qui se rapproche. Le Boulain d'en face avec toujours All Token No Do qui épaule en tête Vabilino Success. Ces deux concurrents qui mènent la danse avec Little Sam qui est à portée de fusil, non loin de Manzano qui est dans le sillage des animateurs. Giorco est également là. Côté corde, Ni Chaud Ni Froid, la casaque rouge semble quelque peu rétrogradée. On tente de quitter les derniers rangs avec plusieurs concurrents à l'image de Anima Erat, le numéro 10. La sortie du tournant avec maintenant All Token No Do qui accélère subitement, qui prend deux longueurs d'avance sur le numéro 8. Vabilino Success qui essaye de se défendre côté corde. Manzano est lancé à la poursuite de All Token No Do. Attention à Little Sam qui verse quelque peu mais qui vient en pleine piste. L'ultime ligne droite avec toujours All Token No Do qui a l'avantage, mais on vient à sa hauteur avec Manzano le numéro 2. À l'extérieur, Little Sam essaye de se défendre avec All Token No Do qui lutte avec le numéro 2, Manzano. Et puis tout en dehors, on finit fort avec le numéro 5. All Token No Do qui va s'imposer devant le 2. La troisième place pour Lord of Time, le numéro 5. Et la quatrième place sans doute pour Little Sam, le 4. Une nouvelle fois les favoris à l'honneur dans cette course avec All Token No Do, l'As qui s'impose du haut de ses 13 ans. Il passe le poteau en tête et résiste jusqu'au bout à Manzano. L'As devant le 2, la troisième place pour le 5, Lord of Time, qui va créer une petite surprise. Et la quatrième place pour le 4, Little Sam. Trois favoris et un outsider, c'est l'arrivée de cette troisième course. As 2, 5 et 4.
Allez, retour à Mons. Les concurrents sont au rang de présentation actuellement. Un en partant pour cette dernière course, le 9 Miss Black. Favori de l'épreuve. On vient de changer de favori avec Oriental Master, le numéro 10, qui passe à 4,90 € actuellement. Oriental Master, oui, un favori. Je ne m'attendais pas à le voir aussi appuyé, ce Oriental Master, associé à Léon Wolf, donc. Un cheval de 4 ans qui vient de gagner ici après pas mal d'échecs en Allemagne. C'était un peu une surprise lorsqu'il battait King Harry à Gotha. Le lot est un peu mieux composé cette fois-ci. On va voir s'il est capable de confirmer ce succès. Amour de ma vie qui était une chance avant coup. Hein, Amour de ma vie pour une 3-4e place, ça me semble tout à fait correct, associé à Koen Clemans. Mon avis avait bien gagné au mois de février avec Koen et ensuite a terminé dans le lointain. Dernier décollé, c'est un mal. Mais et c'était une épreuve, bon, je pense qu'on peut oublier cette tentative. Une épreuve remportée par Jack Kerr qui est présent aujourd'hui devant All Token Nodou qui a gagné la précédente. Vive la danse ici, l'As. 8,10 €. Vive la danse associée à Stéphéline, qu'on n'a pas trop vu ces derniers temps à Mons. Stéphéline qui vient de terminer 3e avec Vive la danse. C'est notre course référence d'ailleurs. Course référence qui remonte au 20 février dernier. On va voir que Potioka va terminer 2e ce jour-là. Potioka qui a très bien couru une nouvelle fois en venant dans la ligne droite. Armitique s'imposait mais il n'est pas là aujourd'hui. Vive la danse termine 2e dans cette épreuve. Et Next Wave était beaucoup plus loin, terminant dernier décollé. Donc Potioka qui finit bien, la casaque vert et jaune qui vient mettre le nez face à Vive la danse. Il y avait une courte encolure, Vive la danse, qui termine quand même beaucoup moins bien que Potioka. Alors, les concurrents qui commencent à rentrer sur la piste, vous les voyez. Avec, on a vu à l'instant, Amour de ma vie. On revient au rond avec Vive la danse, avec Vive la danse qui va rentrer à son tour en piste, proposé à 8,10 €. C'est à numéro 11, on est sur 2100 mètres. Et puis derrière Vive la danse, il y a Burning Sun. Attention à elle, un jour ou l'autre, elle va refaire parler d'elle, Burning Sun. Moi, c'est une jument que j'aime bien. Elle est très délaissée, 60 contre 1. Alors, c'est vrai que ses meilleures performances sont sans doute derrière elle, mais elle a changé d'entourage. Ancienne pensionnaire de Marc Rossel, désormais entraînée par Andy Schuttet. Un jour ou l'autre, ça pourrait surprendre. On revient au rond ici avec le 4, Amour de ma vie, on l'a évoqué. Le 14, maintenant Queen of the Sky avec Anna Van Den Troost. Stall numéro 1 pour Queen of the Sky, qui avait remporté sa course à Cologne au mois de septembre 2023. Et dernièrement à Mons, bon, c'était pas terrible. On change de distance pour... cette Queen prochaine of the Sky course, qui va pour la première fois affronter les 2100 mètres. On l'a surtout vu sur 1500 jusqu'à présent. Est-ce que le changement de distance va lui permettre de s'illustrer? Il y a 33 contre 1. Le 12 à présent, Act of Magic avec Stéphane Breu. 23 € pour Act of Magic. Concurrent que vous connaissez bien en France. Il a gagné sur la PSF Deauvillaise notamment en 2021. Dernièrement à Mons, c'était pas mal. Hein. Act of Magic, battu par Una Nova. Et on change de favori une nouvelle fois. Et Potioka, il y a une masse d'argent qui est tombée sur Potioka qui passe à 1,60 €. Le voici, Potioka. Moi, c'est un cheval que j'adore. On va le voir dernier durant les 1000 premiers mètres, ça c'est sûr. Et puis il va enclencher. Avant, on l'enclenchait à début de la ligne d'en face. Maintenant, on l'enclenche un peu plus tard. On vient plus tard avec lui. On vient dans la ligne droite. On accélère dans le tournant et on finit fort dans la ligne droite. Alors qu'avant, on contournait les adversaires dans le tournant final et on gagnait de façon décollée. Potioka qui n'a cessé de briller à Mons. C'est vraiment sa piste de prédilection. Ses victoires sont nombreuses et les accessites également. 8 victoires à Mons pour Potioka en une 20aine de sorties. Donc vraiment
un métronome sur cette piste. Découvrons les favoris de la presse. Jacques Coeur qui est délaissé. Jacques Coeur. Devant Potioka, Vive la Danse, Trooper et Miss Black. Miss Black qu'on écarte puisque elle est non partante. Alors Jacques Coeur. Jacques Coeur qui vient de gagner à Mons. Hein. Ce n'était pas un lot si relevé, mais on battait Unanova, Act of Magic. Oui, on battait à peu près. Il n'y avait pas, par exemple, Potioka dans la course, mais on battait Unanova, Act of Magic, Next Wave. Et vous pensez en France que Jacques Coeur n'est pas capable de confirmer ce succès avec Sepp Balkan, qui est une nouvelle fois son partenaire. Attention, hein, une discordance, 20 euros pour Jacques Coeur. Je trouve que c'est très, très sévère pour ce numéro 8 qui passe à 17 tout de même et qui vient de gagner. Alors, le 12 ici, Act of Magic, on est en train de ressangler, semble-t-il. Pour éviter que la selle ne tourne. Voilà, Potioka, Next Wave, le numéro 5. Next Wave avec Robin Edens. Départ dans 3 minutes. Next Wave, il faut remonter au mois de décembre pour lui voir une bonne sortie ici. Troisième de Vive la Danse et Unanova, deux concurrents qu'on retrouve également. Mais là, ces dernières sorties sont quand même beaucoup moins bonnes. Hein, ce numéro 5, Next Wave, ici à l'image. Alors, beaucoup d'argent sur Oriental Master, je vous l'ai dit, hein, 8,40 euros. Un peu surprise de retrouver ce cheval aussi appuyé. Et on est à 2 minutes du départ. Le 7 ici, l'enfant terrible. Attention, un cheval qui a montré un peu de moyens quand même, hein, l'enfant terrible avec Alice Berthiaud. Cheval qui vient de changer d'entourage. Est-ce que sur sa dernière sortie à Cagnes, c'était pas mal? C'était sur le gazon. Course à réclamer à Cagnes, troisième. Est-ce que l'enfant terrible peut s'illustrer ici? Sur la PSF, bien pour l'instant, on n'a pas réussi à s'imposer avec l'enfant terrible. On a pris une quatrième place à Marseille Vivo. Ça peut être une surprise à l'arrivée de cette épreuve. Ce gris, donc, l'enfant terrible, la canaque de Pierre Berthiaud. On s'attarde un peu sur le 8 ici à présent. Jacques Coeur. N'écartez pas Jacques Coeur. Hein. Ah, ça baisse à 12 désormais pour Jacques Coeur. Les concurrents qui vont commencer à rentrer dans les stalles. Départ prévu à 14, je vous rappelle, dans moins de 2 minutes. Hein. Le 12, Act of Magic, on l'a évoqué. On a fait un peu le tour hein, de ses concurrents. On n'a pas encore évoqué Trooper, qui est quand même l'une des chances de l'épreuve. Il a été parmi les favoris de la presse. Trooper, c'est le numéro 2. Sarah Vermeersch vient de gagner la précédente. Trooper n'est pas ridicule, hein, ses dernières sorties à Mons. Troisième de Street Zophilie et King Harry dernièrement. Il avait gagné dans un lot un peu moins bien composé. Hein, très nettement, il n'y avait pas trop de partants. Il était alors mené au succès par Sarah Vermeersch. C'est un Vanderek, il faudra s'en méfier. Trooper, 12 euros. C'est rare de voir un Vanderek à 12 euros. Hein. C'est vrai qu'il affronte plus forte partie cette fois-ci, mais pourquoi pas. Il est déjà en sa stalle, Trooper. Regardez, c'est la casaque vert et blanc, là, rayé vert et blanc avec les manches jaunes et la toque jaune. Allez, une minute avant le départ. Reste quelques chevaux à rentrer, hein, dont Potioka, 2,20 pour Potioka. Désormais associé à Kobe van der Beek. Potioka qui a longtemps gagné avec Stéphéline, hein, et puis Stéphéline l'a délaissé, à tort sans doute, parce que les deux dernières sorties de Potioka sont très bonnes. Une victoire et une deuxième place. Mais c'est vrai que Potioka a énormément gagné avec Stéphéline. À Mons l'année dernière. Et autour du numéro 10, là on s'en occupe. Le 3 Unanova, Alexander Pitch. On ne l'a pas vu en selle, Alexander Pitch. Hein. Il devait être associé à 307 dans la précédente non partant. Donc peu de monte aujourd'hui pour Alexander Pitch. Méfions-nous-en.
D'autant que Unanova cherche sa course. Troisième, deuxième lors de ses deux dernières sorties à Mons. À Mons, c'est du 100% pour Unanova. Hein. Une victoire également au mois de septembre. Trois courses à Mons, une première place, une deuxième place, une troisième place pour Unanova. Attention au départ, hein. On n'est plus très loin. Alors, il reste quand même six concurrents à devoir rentrer. Sept même. Ah, le 12 qui rentre à son tour. Autour de Jacques Coeur, dont la cote continue de baisser. 10 euros désormais pour Jacques Coeur. Ah, il n'y a pas beaucoup de baisse de cote, si ce n'est bien sûr Potioka qui passe de 5,70 à 2,40. Très, très appuyé Potioka, mais c'est normal vu sa réussite sur cette piste. Voici l'as Vive la Danse. Proposé à 11 euros. Avec Stéphéline, stall numéro 11 pour Vive la Danse, qu'on voit très régulièrement évoluer ici à Mons. Allez, encore deux concurrents à devoir rentrer, 2,40 désormais pour le favori. De l'argent sur le 7 également, l'Enfant Terrible qui baisse énormément. Hein. L'Enfant Terrible en dernière minute, ça baisse de 17 à 13. On vient de le voir à Cannes, je vous le rappelle. Allez, le 11 à présent, Burning Sun, avec sa nouvelle casaque. Et attention départ, on est sur 2100. Et les voilà partis. Partis pour cette quatrième course, avec tout de suite eh bien, Trooper hein, qui va s'installer aux commandes, numéro 2 sollicité pour venir prendre la tête. À l'extérieur, on va facilement avec Amour de ma vie, avec l'As surtout qui vient très fort, c'est Vive la Danse et qui vient prendre la tête. En revanche, on a loupé un peu son départ avec Unanova qui était quand même l'un des concurrents vu le numéro 3 Unanova qui ferme la marche légèrement décollée. Avant-dernier, on retrouve, mais ça c'est logique, Potioka avec le 5 Next Wave. On va passer devant les tribunes dans quelques instants avec Trooper. Quel avantage, Vive la Danse, l'As est à son extérieur, c'est la Toque Rose. On retrouve bien placé Oriental Master, le numéro 10 qui vient en troisième position aux côtés du numéro 14 Queen of the Sky et le 8 également. Jacques Coeur est également très bien placé, troisième, alors qu'on est en léger retrait, cinquième position désormais avec le numéro 10 Oriental Master qui a légèrement rétrogradé. Il y a également côté corde Amour de ma vie avec Act of Magic qui vient un peu plus loin. On est dans le tournant du chemin de fer. Le 13 également à mi-peloton, c'est Amazova qui est en 7-8e position. À l'arrière, il y a toujours le numéro 3, Unanova. La ligne d'en face dans quelques instants avec Trooper qui a l'avantage depuis le départ. Qui à 3 quarts, on vient avec Vive la Danse. L'As en 3e position, même le 14, Queen of the Sky. À ses côtés, il y a le numéro 8, Jack Coeur sur une 3e ligne. Le 4 qui est là, Amour de ma vie, côté corde. Avec également le numéro 10, Oriental Master. Alors qu'on tente de quitter le dernier rang avec plusieurs concurrents. Et notamment le numéro 7, l'Enfant Terrible qui se rapproche en dehors. Next Wave également vient très fort tout à l'extérieur. Potioka également se rapproche, la casaque verte et jaune. On rentre dans le tournant final avec Trooper qui est mis sous pression par Vive la Danse. Là, on vient tout à l'extérieur avec Next Wave. On vient facilement également avec Jacques Coeur, le numéro 8, sur la ligne de leader. Dans leur sillage, il y a le 14 Queen of the Sky qui est très sollicité. On se rapproche vivement à l'extérieur avec plusieurs concurrents. Potioka a repris le long de la corde et semble quelque peu dominé. Ultime ligne droite maintenant, avec Trooper qui a repoussé l'attaque de Vive la Danse. On vient en pleine piste avec Jacques Coeur, le numéro 8. On vient également très fort à l'extérieur avec le numéro 2, avec le numéro 3, pardon, qui se rapproche vivement. Il s'agit de Unanova qui avait loupé son départ. Toujours le numéro 2, Trooper qui a l'avantage. À l'extérieur, on finit fort avec le numéro 3, mais peut-être trop tard. Le 8, Jacques Coeur sera à la photographie pour la troisième place. Mais c'est bien le 2 Trooper qui le fait de bout en bout dans cette épreuve. Le 2 Trooper s'impose. Deuxième place à la photographie entre le 3 et le 8. Le 3 Unanova et le 8 Jacques Coeur. On va revoir tout cela au ralenti. Donc le 2 s'impose. Trooper, il me semble avoir gardé l'avantage. Ouais, on va rester prudent, mais le 2 s'impose devant le 3, le 8. Et pour la quatrième place, c'est peut-être le numéro 13. Le 13, oui, qui va sans doute prendre cette quatrième place sous réserve de photographie. Donc 2, 3, 8 et 13, arrivés provisoires de cette épreuve. Victoire de Trooper, la matinée est bien simple. 2 victoires pour Sarah Vermersch. 2 victoires également pour le jockey allemand Tore Hammer Hansen. 2-2 entre ces deux-là. Bonne journée à tous.
Prochaine course, départ dans 6 minutes. Prochaine course, départ dans 3 minutes.
Notre cinquième rendez-vous, les concurrents rentrent dans les stalles. On tenait sur 950 mètres, on retrouve Royal Diplomate 10 euros, surprenant. Monsieur Mel très appuyé. Bon, il y a des bons chevaux, hein. Il y a Shinkansen, Royal Diplomate. Monsieur Mel a une chance, mais ne mérite pas 1,10€, ça c'est clair. Allez, Royal Diplomate qui rentre dans sa stalle. Audi à présent. That's the way to do it, hein, qui a également une chance. Attention au départ. Et les voilà partis. Audi qui marque un petit temps d'arrêt, là, qui se retrouve assez loin, au même titre que le numéro 6. Hein, avec, en revanche, Royal Diplomate, tout à l'extérieur, qui est bien parti, avec bien placé également Sweet Sugar Brown, le 9 qui va se rabattre en tête, le numéro 8, pardon. Ensuite, on retrouve bien placé Test the Way to Do It, avec Royal Emerzer, qui est pas loin des chevaux de tête, au même titre que le numéro 9 à l'extérieur. Le tournant final avec deux concurrents, Sweet Sugar Brown et Royal Diplomate, qui se sont légèrement détachés. Et derrière, il y a Test the Way to Do It, avec également le 9, Sir Maurice, et le numéro 5, Royal Emerzer, l'ultime à droite, et puis Monsieur Mel qui s'annonce tout à l'extérieur, l'ultime à droite avec toujours Royal Diplomate qui a l'avantage. Attention, on revient avec Test the Way to Do It. Monsieur Mel ne refait pas trop de terrain pour l'instant. Côté corde, Sweet Sugar Brown se défend très bien. Sweet Sugar Brown qui repousse pour l'instant les attaques. On finit fort avec Royal Emerzer. Sweet Sugar Brown, le numéro 8, qui va s'imposer devant Royal Emerzer et le numéro 2. Sweet Sugar Brown, le 8, s'impose devant le 5, Royal Emerzer, et le 2, Test the Way to Do It, qui se rend la lutte pour la deuxième place. Victoire de bout en bout pour Sweet Sugar Brown, 5,40€. La deuxième place à la photographie, entre le 5 côté corde et le 2 à l'extérieur, ce sera le 5, je pense. Ouais, c'est le 5, le 2. 8, 5, 2 et As. Monsieur Mel n'a pu revenir cette fois et terminera d'ailleurs 6e ou 5e. 8, 5, 2, arrivée provisoire de cette 5e course.
Prochaine course, départ dans 6 minutes. Prochaine course, départ dans 3 minutes. Allez, les concurrents de cette sixième course sont derrière les stalles, départ à 14h15. Donc dans 3 minutes, pour l'instant, c'est Gotha qui est le grand favori de l'épreuve. Une épreuve qui a réuni 9 concurrents montés par des cavalières et gentlemen riders, 9-1 puisque Monte Cristo est non partant. On a eu un 13 ans qui a gagné tout à l'heure. Pourquoi pas un deuxième puisque Quiz Evolution est là. All Token No Do s'est imposé dans la troisième. Quiz Evolution qui est le deuxième favori derrière Gotha. On joue également beaucoup à Laris dans cette course.
Allez, ça rentre dans les stalles, ça commence du moins. Attention départ. Encore deux concurrents à entrer. Dont iGroove Dan et le 4 Animal Magnétisme. Et voilà parti. On est parti assez moyennement avec Animal Magnétisme qui est un peu resté dans sa salle. On va s'installer en tête avec Alaris, le numéro 5, mais relayé aussitôt par Gotha. Narcissa vient un peu plus loin avec également la Casacrose d'Aegis Power qui est très bien parti et qui va épauler l'animateur. En tête donc le numéro 9, Narcissa, qui a l'avantage devant le 6 Quiz Evolution. À l'extérieur, Aegis Power qui vient 3e. Alaris vient 4e désormais, accompagné par Gotha le 2. À l'extérieur, il y a le numéro 4 Animal Magnétisme. Et pour l'instant, on est à l'arrière avec le 8 La Mirande. Et surtout, iGroove Dan qui ferme la marche. On passe devant les tribunes. Avec Aegis Power qui vient épauler en dehors Narcissa qui est calé le long de la corde. Quiz Evolution est 3e. Derrière, il y a une petite cassure pour retrouver à 3 longueurs Gotha, le 2, qui est en train de déborder Alaris, le numéro 5. La Mirande venant ensuite avec Animal Magnétisme et toujours dernier iGroove Dan. On aborde la ligne d'en face dans cet ordre, sans trop de changements, avec Narcissa qui maintient une longueur d'avance sur Aegis Power, toujours en dehors. Quiz Evolution est 3e. À intervalle de 2 longueurs, on retrouve toujours Alaris. Accélération en dehors d'Animal Magnétisme qui se rapproche. Le peloton qui se reforme bien maintenant. On plafonne avec Narcissa le numéro 9 et on prend l'avantage avec Aegis Power. Aegis Power qui a l'avantage devant le numéro 6, Quiz Evolution. En dehors, on s'est rapproché avec Gotha très librement. Animal Magnétisme est encore plus en dehors en 4e épaisseur et on vient des derniers rangs avec iGroove Dan. Le tournant final. Quiz Evolution qui semble prendre la mesure de Aegis Power. Quiz Evolution qui accélère et qui prend maintenant très nettement le dessus sur Aegis Power qui n'avance plus. Ensuite, on a Gotha numéro 2 avec en retrait le 3 iGroove Dan. Ça semble déjà gagné pour Quiz Evolution qui s'est débarrassé de l'opposition. On se retourne à plusieurs reprises. Quiz Evolution qui va rallier le poteau sans être nullement inquiété. Quiz Evolution qui va s'imposer devant Aegis Power qui lutte pour garder la deuxième place alors qu'on finit bien avec Gotha. Quiz Evolution aussi s'impose. Deuxième place pour Aegis Power et la troisième place pour le 2, Gotha. 6 As et 2, arrivée provisoire de cette 6e course. Victoire sans aucune contestation possible de Quiz Evolution, juste accompagné au bras. Et encore. On va voir le passage du poteau ralenti. Le 6 s'impose. Aegis Power, l'un des animateurs, va terminer deuxième. Et la troisième place pour le 2, Gotha. 6 As et 2 donc arrivés de cette 6e course.
Prochaine course, départ dans 6 minutes. Prochaine course, départ dans 3 minutes.
Notre dernier rendez-vous, c'est le prix climatologie avec 6 concurrents au départ, Demi Trauland et la favorite de l'épreuve, une épreuve réservée aux 3 ans. Une époule, un époulis de 3 ans. Ah, ça se passe mal avec Schwarzer-Wolf, qui est l'un des favoris également, hein, 3 euros. Allez, les concurrents qui sont quasiment tous dans les stalles. Le départ de cette dernière course, c'est Étincelle qui rentre en dernier dans la stalle numéro 6. Et voilà parti pour 1500 mètres. Avec tout de suite le numéro 3, Milled, qui va essayer de prendre la tête, accompagné par l'As Schwarzer-Wolf en dehors et à l'intérieur, le 4, Teratino Fire. Tout en dehors, on se rapproche également avec Demi Trauland. Pour l'instant, à l'arrière, on retrouve le numéro 6, Pericala, point qui ferme la marche, juste devancé par le 5 Étincelle. Premier tournant de cette course, sous la conduite du 4 Teratino Fire. À l'extérieur, Schwarzer-Wolf, l'As. En troisième position, il y a Millen, le 3 côté corde. On tire un peu avec le numéro 2, Demi Trauland. Peloton très groupé, Étincelle et Pericala Point ferment l'arrière. Milled en face, le petit peloton toujours assez groupé sous la conduite de Teratino Fire avec en deuxième position Schwarzer-Wolf, toujours Demi Trauland qui est là au contact des chevaux de tête au même titre que Millen, Étincelle et Péric à la pointe sont toujours à l'arrière. Peloton groupé dans le tournant final avec Teratino Fire attaqué par Schwarzer-Wolf qui vient à sa hauteur. Tout en dehors il y a Demi Trauland, né au vent. Ensuite, nous avons Millen avec Étincelle et Pericala Point qui semble prise de vitesse. L'ultime ligne à droite avec depuis le départ Teratino Fire qui a l'avantage, mais attaqué sèchement par Demi Trauland qui se rapproche avec également numéro 5 Étincelle qui déboîte. On semble vouloir également se mêler à la lutte pour les places avec Millen, avec cette fois-là Schwarzer-Wolf qui prend l'avantage. Schwarzer-Wolf qui se débarrasse du numéro 4. La troisième place pour le numéro 3. L'As, le 4, le 3. Et le 5, c'est l'arrivée provisoire de cette septième course. Victoire de Schwarzer-Wolf qui s'impose donc devant le 4, Teratino Fire. Et la troisième place pour le 3, Millen. As 4-3, arrivée de cette septième course. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous à Mons, eh bien, ce sera la semaine prochaine avec les trotteurs. Mardi 2, 18h30, les trotteurs. Prochain rendez-vous au galop. Eh bien, mardi 9 avril à 18h30 également. Donc, les deux prochains mardis, même les trois prochains mardis, ce sera à Mons. Bonne journée à tous.